Les procureurs américains ont moins de 60 jours pour présenter un dernier dossier pénal justifiant l'extradition éventuelle du fondateur de WikiLeaks, Julian Assange. Un responsable américain a déclaré qu'un mandat d'arrêt provisoire concernant l'extradition d'Assange aux États-Unis avait déjà été envoyé en Grande-Bretagne. Il a ajouté que les États-Unis pourraient modifier ou ajouter aux accusations actuelles contre Julian Assange. Entre-temps, les procureurs suédois ont envisagé de rouvrir une enquête sur les allégations d'agression sexuelle contre Assange, alors que l'affaire a été classée en 2017. Le fondateur de WikiLeaks est actuellement détenu à la prison de Belmarsh, dans le sud-est de Londres. Le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies a exhorté les autorités judiciaires à veiller à ce que Julian Assange subisse un procès équitable.